Hey yo tout le monde, c'est Utitoff, on se retrouve pour le 37e épisode de Pokémon Jaune. Et aujourd'hui, eh bien on va mourir. Ah, c'est la fin, c'est là on fait l'arène de type feu. Ah bah d'accord, on peut pas passer là derrière, génial. Ah oui, c'est des gens, ils posent des questions là, c'est vrai. On appelle cette arène l'arène quiz. Tu dois répondre au quiz si tu veux voir Auguste. Si tu réponds correctement, tu n'auras pas à nous combattre. Ouais, moi, je veux quand même les combattre un petit peu. On va faire exprès de mal répondre alors. On va faire exprès de mal répondre. Quiz Pokémon. Une bonne réponse ouvrira la porte. Une erreur et c'est la guerre. Pour préserver une équipe avant d'affronter le champion, mieux vaut éviter les erreurs. Chenipan évolue en Papillusion. Oui. Ah merde, fallait mettre non. En avant. Et est-ce qu'on peut le combattre du coup? Avant j'étais voleur, j'avais honte. Aujourd'hui je suis un dresseur et je suis fier. Ok d'accord. Ok, on peut bien répondre. Et parce que bon, Chenipan il évolue en Crisacier, tu vois, pas en Papillusion. Mais bon, c'est pas grave. Il évolue à terme. Oui. À terme. Bon écoute, nous on fait du mania là. J'ai envie de te dire, on n'est pas à ça près. Hein. Yvan et Goupix. Bah Goupix, on fait aussi mania. Hein. Vas-y. Niveau 36. Ok, c'est une arène nulle en fait. Par rapport à l'autre, là où ils étaient tous niveau 50. Ah, NT va-t-il changer de Pokémon? Non, non. On continue avec Mania. Niveau 36 aussi. Ah, Vive Attaque. Ah, ça part sur un petit Vive Attaque comme ça. Ok, d'accord. Je vois, je note. Et Lico, on cogne à fond encore. Et ben voilà, on est bien. On a fait nos 4 Mania. Et on a battu Pillard. Très bien. Bon. Un Pokémon du feu, c'est chaud. C'est chaud. Ok, d'accord. Fait appel à Goupix. Niveau 36 également. Bah écoute, on va continuer avec des Mania. Hein. En plus, Mania, ça en utilise qu'un seul. Ah ouais, c'est ultra cheaté du coup. C'est ultra cheaté. Non, on garde le même Pokémon, c'est parti. Envoie-nous un Feunard après si t'as envie, c'est pas grave. Je crois qu'il a, un Magmar, hein. Il me semble. Feunard, non, on change pas de Pokémon. Vas-y, nous fait une petite vive attaque du coup, comme tout à l'heure. Ah non, pas du tout. Ok. Hurlement. Ah, c'est sans rien. Et il cogne à fond. Génial. Et voilà. Allez, on a battu un Tello. On continue. C'est vrai que j'ai pas répondu à la question du coup. Ah, mais il y avait pas de question. Ok. Très bien. Seras-tu à la hauteur? Merde, c'est là qu'il faut appuyer. Quiz Pokémon à vous de jouer. Il existe 9 badges. Non. Il en existe 8. C'est des bolos. Allez. Normalement, les deux combats devraient être de plus en plus compliqués si tout se passe bien. Après, est-ce que tout se passe bien? Je ne sais pas. On verra. Ponyta. Il est moche. Regardez les grosses jambes qu'il a. Il a des jambes enflées, on dirait. Ses jambes, c'est des doigts, en fait. Regardez. Attends, si je cache... Ah bah, du coup, bah non, il est plus là. Mais... Attends, si c'est encore un Ponyta, on regarde. Ah non, c'est un Salamèche. Ok. Ah, par contre, faut faire attention, il a 5 Pokémon, lui. Bon, on retrouvera pas un Ponyta, hein, c'est dommage. Il va envoyer quoi? Feunard? Caninos. Ah bah non, du coup, on peut l'avoir avec, avec Mania, donc c'est bon. Ok, on est bon. Bon bah finalement tout va bien. Mais du coup on n'a pas vu les jambes de Ponyta quoi. C'était clairement des doigts, tu sais, mais des doigts avec du vernis à ongles noir. Les fameux. Quiz Pokémon à vous de jouer. Petit art évolue 3 fois. Bah non, il évolue 2 fois. Il n'y a aucun Pokémon qui évolue 3 fois d'ailleurs. Les Pokémon du feu, j'adore. Il y en a qui évoluent 2 fois et qui méga évoluent 1 fois, mais il n'y en a aucun qui évolue 3 fois. Regardez, mettez votre main là sur le corps de Ponyta et regardez, on dirait les doigts d'une main mais genre qui est comme ça, tu vois. Genre, attends, j'essaie de faire la main, non c'est plus une main qui serait comme ça. Voilà. Voilà, ça fait genre une main comme ça, tu sais. Bah dans l'autre sens du coup pour vous, mais... Enfin voilà, mais là tu vois, et puis tu mets la tête de Ponyta ici.
Et là, c'est pas une tape. Voilà. Voilà, voilà. J'ai pas de vernis à ongles noir, donc je peux pas. Ah, niveau 41, voilà. Là, on commence à sentir un petit peu que. Qu'il y a du travail. Rugissement, il baisse mon attaque. Génial. J'adore, je kiffe. Merci, ça fait plaisir toujours. Ça fait toujours plaisir. Et il monte au niveau 51. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et on a battu Pierre. Ah, d'accord. Donc en fait, il est niveau. D'accord, ok. Je vois. Ta-da-da. Quiz Pokémon, à vous de jouer. La foudre est efficace contre les Pokémon du sol. Bah non. Bonne réponse. Et hey, je sais pourquoi Auguste est devenu un dresseur. Parce qu'il avait pas le choix, sinon tu se faisais chier dans sa contrée natale. Parce que honnêtement, Bourg-Palais, j'aurais pas fait grand chose. Hein. Heureusement que je suis devenu. Il a pas Ah, Galopin. Alors lui. Lui, on peut pas. Lui, on peut cacher, mais tu sais, ça fait genre une grosse main de sorcière qui est en mode. Comme ça, mais bon. Ah, il fait peur, Galopin, quand même. Hein. Il y a quand même quelque chose. Il y a de l'intérêt pour Galopin, là. Enfin, j'ai de l'intérêt pour écrasement. Ok. Ça veut dire que là, il faut que je m'écrase. Ok, bon bah voilà, Galopin, hein, c'était... Mais bon, c'était bien, hein. Moi, je suis content d'avoir combattu Galopin, hein. Honnêtement, ça va, hein. Vraiment pas mal, hein. Allez, c'est la dernière question, il me semble, ou l'avant-dernière, peut-être. Les niveaux sont différents. Deux Pokémon du même type et du même niveau sont différents. Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec les EV. Les IV. J'ai bourlingué de pas mal d'arènes, petit gars, mais ma préférée, c'est celle-ci. Ok. Pillard fait appel à Goopix. Ah, voilà. Niveau 37. Bon, ça va. Normalement, je pense qu'on devrait la réussir, cette arène. À moins qu'il y ait un écart de niveau absolument énorme. Mais bon. Je sais pas, hein, moi. Pierre va appeler Caninos. On change pas de Pokémon. On a raté Mania. Vous avez vu, on a raté Mania. Ah oui, mais d'accord, donc si on le rate, il retente derrière quand même. Ok, d'accord, très bien. Je pensais pas, mais bon, écoute, pourquoi pas. Ok, en tout cas, on gagne plein d'argent. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est pas encore lui, c'est lui. Quiz Pokémon, à vous de jouer. CT28 contient fausse. Non. Bah ouais. Je sais pas ce que c'est, fausse. C'est tunnel. Ça contient tunnel, non? C'est ça, en fait. Fausse, ça n'existe pas. Eh oui. CT28, c'est tunnel, je pense. Vous me le direz dans les commentaires, mais je pense que j'ai raison. Je suis sûr d'avoir raison. Ils vont être niveau quoi 45, 46 et 52, un truc dans le genre. J'ai pas regardé, hein, cette fois, parce que vous m'avez dit dans les commentaires, ouais, c'est dommage que tu regardes les niveaux, comme ça il n'y a plus la surprise. Ok, j'ai pas regardé. Et voilà. Je vous écoute des fois. Sometime. Bon, bah, on va se mettre quand même une petite hyper potion juste avant le combat, mais sinon pas de soucis. Hein. Allez, c'est peut-être le dernier combat du Nuzlocke, disons-le. Donc bon. Préparez-vous quand même, dites-vous, oh là là, oh là là, oh là là. D'accord, hey, il est niveau 46 quand même, notre. Ah non, c'est Nekfeu. Je pensais que c'était Ratatak. Allez, salut. Salutations. Mon nom est Auguste, je suis le champion de l'arène de Croix-Moisville. Mes Pokémon flamboyants vont te réduire en cendres. Ah ah, j'espère que tu as de l'antibrûle. Il va bientôt faire très chaud. J'ai pas pris d'antibrûle. J'aurais peut-être dû prendre de l'anti-brûle parce que si les mecs me brûlent, c'est vrai que là je perds toute ma force en fait. Il fait appel à Fenard. Niveau 48. Niveau 48, oui, bah c'est envisageable. On va faire séisme. Il fait vivat. Normalement, lui, séisme, c'est bon. Parce que ça revient plus fort que. Je pense. Après, je sais pas. Hein. Oui, c'est bon. Ok, très bien. On est content. Ok, allez. Galopin, lui, séisme, c'est bon aussi. Je pense. Après, il est niveau 50, hein. Pas négligeable, hein. Mais c'est bon. On le tient. Et il monte au niveau 52. Et ça, ça fait plaisir.
Et Arcanin. Ah, il n'a pas de Magmar. Ok, je pensais. Bon, écoutez. Ah, 54 quand même. Ah, c'est pas rien, hein. Ouh là 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 là. Eh bah dis donc, ce fut un champion d'arène très difficile à battre. Hein. Ouh là 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 là. On a quand même de la chance que ce soit pas Licourne qui est mort contre le précédent. Et que, parce qu'avec Nekfeu, ça aurait été plus compliqué. Bon, on aurait fait certes des tunnels, mais... Allez. Ah, nanana, nanana, nanana. Et puis là, il y a la prochaine arène. Voilà. Et puis là, il y a la prochaine arène. C'est là qu'on se dit... Oh, bah, il y a la suivante. Et la suivante, elle est pas pareille. Non, 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 elle est pas pareille, la reine suivante. Non, elle est bien différente. C'est, si vous voulez, il y a cette arène-là qui te fait prendre confiance, tu vois. Tu te dis, oh, bah, c'est facile. Puis après, tu découvres les autres arènes, quoi. Il me semble qu'on a plein de super bonbons dans nos... dans notre PC. Est-ce qu'on irait pas voir? Par contre, là, c'est chiant parce qu'on peut pas... utiliser... Enfin, je me comprends. Mais bon. On va regarder si on n'a pas des super bonbons parce que je pense qu'on en a. A bientôt. Ouais, salut. Ok. Hop. Alors, PC de NT. Hop. Accès au système de stockage, oui. Stocker objet, honnêtement, la clé, je m'en fous. Maintenant qu'on a la canne, on a pas besoin... Maintenant qu'on a la super canne, on a pas besoin de la canne. Voilà. Antidote, pourquoi pas. Antipara, pourquoi pas. C'était 4... Ouais, on avait vu que c'était clé secrète, Osef. Qu'est-ce qu'il m'a donné comme attaque? Parce qu'il m'a sûrement donné une attaque, mais laquelle, on sait pas. Il m'a donné la CT-38 qui contient déflagration, quand même. C'est pas mal déflagration. Ça aurait été cool sur sur Nekfeu. Mais bon. Ok. PC de NT. Retire objet. On a forcément des super bonbons. On a un super bonbon. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Il court niveau 52. Il lui manque combien pour monter niveau 53? C'est ça que je veux regarder. 4901 d'XP. C'est beaucoup quand même, 4901. Mais on va garder le super bonbon pour pouvoir l'utiliser juste après qu'il est monté de niveau. Parce que si... Oh, je l'ai vu. On va prendre des repousses. Max repousse. Bon, on va en acheter d'autres, allez. Soyons fous. On aura peut-être besoin plus tard. Bon, allez, on va en acheter d'autres. On en aura peut-être besoin plus tard. Je pense que 8, 18, 19, ça suffira au total. Ok, bon, on va pouvoir retourner vers... Sur la route vers la ville de Jadiel. C'est comme ça que j'ai connu mes amis. Oui, je vous jure que c'est comme ça, c'est ça la chanson. Bon. La max repousse. Elle est là. Et je vois qu'il y a ma télé qui va s'éteindre. Alors du coup, on appuie. C'est bon. Ok. On a utilisé Max Repousse, Pokémon, Licourne, Surf. Je vous rappelle que Nekfeu, on n'a pas le droit de l'utiliser. Je le rappelle à chaque épisode parce que bon, on sait jamais. Les gens peuvent oublier. Allez, on fait quand même du petit combat pour la beauté du geste. On est même pas passé soigner nos Pokémon au centre Pokémon, on est vraiment des bolos un peu. Enfin, peut-être pas à ce point-là des bolos, mais... Ah, Staros quand même. Quand même un Pokémon intéressant. Quand même un Pokémon où on se dit oui. Qui peut nous faire d'ailleurs très mal. Mais bon, l'a mis KO, donc c'est bon. Donc 4900, moins 1600, donc on est à 3300. Donc il lui manque 3300 pour monter au niveau 53. Ça peut aller vite en fait, finalement. Essayer de trouver d'autres nageurs. Pas d'autres nageurs en fait. Ah si là, mais ceux-là on les a déjà fait, non? On les a déjà fait. En fait, il n'y a pas de nageurs. Mais mec, les nageurs sont mieux que les pêcheurs, donc allons-y. Ouais, c'est clairement une théorie que je défends. Les nageurs sont clairement mieux que les pêcheurs. Putain, mais il n'y a pas de nageurs! Ah!
Merci. Hop là, je suis le triathlon. Starry, c'est tout? T'aurais pu au moins avoir un Staros parce que là ça va pas être cool sur l'XP. Ah si, je suis allé soigner mes Pokémon en fait. Donc on est à 2000, 2600. Ah parce qu'il en a deux. Je croyais qu'il en avait qu'un. Donc on est à 2600. Ah bien. Non, GG Carabaf, hein, je pensais que tu résistais pas. 2600 et là on est à 1600. Ok, ça vaut peut-être le coup de se faire les dresseurs là-bas. Lui on l'a fait. Hop, voilà, on va se faire E. Attends, on était 3000, 2600, 1600. On est à 1600 là. Hop. Poisseroi. Ok, Mania. Ok, good. Poissirène. C'est 1200 on a eu. Donc il nous reste 400. Normalement là on va monter de niveau. Voilà, Licourne monte au niveau 53. Et là c'est bon. Et en plus on n'a pas gagné trop d'XP supplémentaires. Donc on va pouvoir utiliser un super bon. Parce que le super bon n'est utile que lorsque on est vraiment au plus bas du niveau. Sinon, bah en fait, il apporte très peu d'XP. Ce qui est pas vraiment cool. Putain, la max repousse, ça dure longtemps hein, quand même. Je suis pas déçu de mon achat, quoi. Niveau rapport qualité-prix, ça va. Non, en vrai, la meilleure niveau rapport qualité-prix, c'est la super repousse. C'est pas la max repousse. Mais bon, ça reste totalement louable. Regardez. Voilà. L'effet repousse se dissipe, juste au bon moment. Bon, allez, on va aller soigner chez notre mère. Parce qu'on est un peu des mecs comme ça. Puis bon, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Enti, aime tes Pokémon et ils t'aimeront en retour. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu et c'est ce que tu me dis. Non, en vrai, ça fait depuis février qu'on s'est pas vu. Tu te rends compte? Depuis février, on s'est pas vu. On est en. Ce moment où je tourne cette vidéo, c'est la fête des mères. Allez. Comme on évite trop bien les hautes herbes. Pff, on est vraiment trop fort. Et on arrive à Jadiel. Ça n'enlève rien au fait que c'est peut-être dans cet épisode qu'on va mourir, les amis. Parce qu'on est à 18 minutes de vidéo et je compte pas m'arrêter en si bon chemin. Et oui, les amis. Parce que en ce moment, vous avez des épisodes de Pokémon Journey moins souvent. Donc, qui dit moins souvent, dit plus long. Eh oui, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas des rapports sexuels. C'est moins t'en fais souvent, plus tu conclus vite, je pense. Ouais, je me fais des réflexions des fois comme ça, tu vois. Bon, je pense que c'est bon, on peut aller à l'arène. Y a rien qui nous bloque. C'est bon, là, on peut y aller, non? Ou alors y a un truc, j'ai un axe scénaristique que j'ai pas fait. Non, c'est bien bon. Ok, salut. Salut champion en herbe, même moi je ne sais pas qui est le champion de Jadiel. Le combat qui t'attend sera le plus dur de tous. Ok. Donc là c'est des Pokémon de type sol. Mais on a surf! On a surf les amis! Bon, on va partir par là, même si je sais que c'est pas par là. On va partir par là parce qu'on a envie de tenter le dresseur qui est là. Tes Pokémon vont se courber sur mes coups de fouet. Deux fois. Pourquoi deux fois? Pourquoi deux fouets? Dompteur veut se battre. Il fait appel à Arbok. Ah oui, d'accord. Donc c'est un. D'accord, c'est de type sol, mais pas trop non plus, quoi. Ok, je vois ça. Peut-être qu'on va tenter. Peut-être qu'on va réussir à faire la double arène, hein, les amis. Hein. J'y pense. Parce que la dernière fois, on n'a pas réussi à faire la double arène. Tauros. Non, je change pas de Pokémon. Allez, on continue avec Mania, c'est bien.
Il en charge. Là, il va être... Farceur. Il devient dingue. C'est ultra moche, Surf. J'avais oublié que c'était nul comme animation. J'avais clairement oublié. Ok, on va aller par là. Le karaté est l'art martial ultime. J'aurais dû le faire avancer. J'aurais dû le faire avancer, j'ai mal joué. Matchhopper. J'ai rien de spécial contre Matchhopper. Je suis en attaque de type sol. Donc c'est une arène de type sol, mais pas trop, quoi. Enfin, les dresseurs qui y sont ne sont pas de type sol, quoi. C'est ce qu'il faut comprendre. Ah, non, c'est bon, ça va pas me faire mal. Bon, on va faire un double pied. Allez, allons-y. Hop. On a battu Karateka, c'est bien. Parce que sinon, on aurait pu aller le voir, lui, tu vois. Mais d'ailleurs, on va aller le voir, lui. Je vous dis, on va aller le voir, lui. Salut toi. L'arène de Jadiel était fermée depuis longtemps, mais le champion est enfin revenu. Moi je sais qui c'est le champion. Mais peut-être que vous le savez pas, alors du coup je vais pas vous spoiler, mais mais voilà, moi je vous dis Nidorino. Nidorino, j'aimerais bien faire séisme contre lui, mais je vais pas le faire parce que j'ai envie de garder mes séismes pour la suite en fait. Ouais, il y avait même pas besoin en fait. Nidoking. Non, change pas de Pokémon. Allez, on va continuer avec niveau 39. Coup de corne. Ouh, ça fait mal ça. Surtout que ça attaque plusieurs fois en fait. Et pas du tout en fait. Le mec qui découvre les attaques. Pas du tout en fait. Hein. Bon, niveau 55, ce serait bien là. Je pense qu'on y est presque. Regarde, on va regarder. Je pense qu'on est à 1000 points d'XP du niveau 59. À 2200 points d'XP. Ok. 55, hein, je veux dire 55, pas 59. Alors, c'est pas par là qu'il faut aller. Ça, c'est sûr. Mais il y a peut-être un dresseur par là. Il y a peut-être un dresseur, donc on va y aller. On va voir. Ah non, là, ça va nous permettre d'avoir... d'avoir rien du tout, en fait. Ah ouais, on peut rien faire en allant par ici. C'est vraiment le truc troll, quoi. Et là, cette Pokéball, je pense qu'elle est bien, quoi. Tu vois. Hop, donc on va le faire comme ça. Hop. Rappel, inutile. Hop, objet. On le jette, tu vois, tellement on est des thugs. Rappel, jeté. Hop. Allez, c'est parti. Adieu au rappel. On passe par où? Allez, on va aller un coup par là. Rhinocorne. Alors Rhinocorne, on peut l'avoir avec double pied. Ou avec Surf. Clairement, Surf c'est une bonne idée en fait. Enfin je pense. Ouh, s'il nous fait un séisme par contre on est mal. C'est bon. Coup critique. Plutôt content du coup. Allez, plus que 1000 points d'XP et on peut monter au niveau supérieur. Je suis le roi du karaté. En fait, ce qu'il aurait fallu si je voulais passer là. En fait, je peux même plus passer en fait. Il va falloir que je ressorte et que je rentre. Ouais, c'est ça en fait. Il aurait fallu que je l'affronte de côté. C'est ça. Et là, on a plusieurs dresseurs qui sont inutiles. J'ai fait surf, ouais. J'ai clairement fait surf. Pas pourquoi. Je me pose la question. Bah, c'était une bonne idée. C'était une bonne chose, j'ai bien fait. Et il monte au niveau 55, voilà, comme prévu. Machoke. Non, je ne suis pas de Pokémon, on va pas changer de Pokémon pour Machoke. Allez, Mania. Ok, on est bon.
Machopper, non. Normalement, cette fois, Machopper, je pense qu'on peut l'avoir avec Mania. Puisqu'on a monté d'un niveau. Peut-être lui aussi, d'ailleurs. Ouais, lui aussi a dû monter de quelques niveaux. Donc, finalement, pas forcément utile. Mais c'est pas grave. Let's go. Ok. Donc, on peut pas passer par là, on peut pas passer par là. Par ici. Par ici, y a rien, il me semble. Ça sert à rien de passer par là. Ça sert strictement à rien. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? Pour la beauté du geste. Bon, on va utiliser une hyper potion déjà. Pour la beauté du geste. Allez. De toute façon, il faut qu'on ressorte et qu'on rentre. Mais bon, allez, faisons-le. Eux, ils ne servent à rien. Mais on le fait quand même. Eh, tu dois être crevé, non? Ouais. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Après tous ces combats, je suis crevé. J'appelle à Sablero. Eh, si. Ah, et on a Surf. Finalement, heureusement qu'on a Surf avec lui. Maintenant que j'y pense. Heureusement. Ok, on est good. Trio Picker. On va faire Surf encore. Il est bon hein, quand même, Licourne, là, en spécial. Bon, je sais que ça fait x2, mais quand même. Je trouve qu'il leur fait mal, hein. Pourtant, c'est pas du tout stabé. Hein. Après, Surf, c'est une attaque qui rapporte beaucoup, quoi. C'est vrai, on fait bien d'XP, hein, là. Je pense qu'on fait bien d'XP. Hein. Groar, colère, viens te battre. Je pense pas qu'on arrivera à faire le champion en moins de 30 minutes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, niveau 40. Ah oui, d'accord, ça se corse. Bon, ça va, parce que... On est quand même niveau 55, et que j'ai pris la décision d'XP uniquement Licourne, ce qui, je pense, est une très bonne idée, une très bonne chose. Machopper. Allez, on garde le même Pokémon. Bien entendu, on met pas KO, il nous fait gros yeux, c'est pas grave. Pas grave, on cogne à fond également. On est bon. Et voilà. Allez, le dernier dresseur avant le champion. Je crois que c'est le dernier dresseur avant le champion d'ailleurs. Ah non, il y en a un autre là-bas. Avec mes Pokémon, je fais de la jolie musique. Ah si, on peut passer par là. Ah si, on peut passer par là. Non, on peut pas passer par là. C'est bouché. Me semble. Kinokorn. Surf. Que si on peut passer par là, j'y vais direct sans passer par le centre Pokémon, on s'en fiche. Et je pensais qu'on pouvait pas passer par les trois. Je sens que c'était des leurres. Ouais, c'est des leurres, c'est bien ça. Donc on est obligé de ressortir, de rentrer. Let's go. Bah écoutez, hein, c'est bon, il a tous ses PV. Hop. On passe là, 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 on passe ici, on passe là, on passe là. Eh, bonjour, vous le reconnaissez? Fouaha, te voici dans mon repère. Je voulais former la Team Rocket ici, mais tu as encore raté. Fais rater. Tu as encore tout fait rater. Oui, je sais plus parler, c'est pas grave. Je suis furieux et ça sent pas bon pour toi. Une fois de plus, tu oses me défier. Moi, le gland Giovanni. Le gland Giovanni. Mais aujourd'hui, tu vas déguster. Allez, c'est parti. On est prêt, les amis. Le 8e badge. Le 8e badge, les amis. Et ça commence par un trio piqueur. Et ça peut faire très mal, un trio piqueur. Donc on commence par Surf. On sait qu'un trio piqueur niveau 40, on le met KO, mais un niveau 50, ça m'étonnerait. On l'a mis KO. Pardon, ça me fait tout bizarre, je vous jure. Et il monte au niveau 56, c'est bon. Persian. Non, on change pas de Pokémon. C'est vachement de type sol, Persian. T'as pas compris, toi, quelle était ton arène. Allez, double pied. Putain, niveau 53, là, ça fait mal. Ça fait mal et ça fait peur. Allez, il va nous faire un truc du genre tranche. C'est pas grave. Bon, c'est un coup critique, mais c'est pas grave. Ça fait un peu mal quand même. Mais bon, ça passe. Giovanni va appeler Nidoqueen.
Alors, Nidoqueen, c'est là qu'il va falloir être à niveau combien? Niveau 53, séisme. Si ça passe pas, on est mort. Je sais pas si le coup critique y est pour quelque chose, mais s'il y est pour quelque chose, bah merci à lui. Nidoking, oh my god. Non. Si le coup critique passe, enfin si... Si ça passe pas, on est mort. Coup critique. Je sais pas si la chance est de notre côté, ou si quoi qu'il arrive, on y arrivait, mais... Oh my god. Il va appeler Rhino Féroce. Non. Surf. La moitié. Oh yeah. Le plus dur à battre aurait été Persian. Les amis, on a 8 badges d'arène. Les amis, on a nos 8 badges. On va pouvoir se diriger vers la ligue avec uniquement licorne. Only licorne. My gosh. Grâce au badge de terre, tous les Pokémon obéiront à tes ordres. Il est le témoignage de ta grande maîtrise des Pokémon. Tu pourras ainsi accéder à la ligue Pokémon. C'est un cadeau que je te fais. Va maintenant et deviens le plus grand des dresseurs. Enti reçoit la CT 27. Abîme. Cette attaque peut mettre hors combat un Pokémon en un seul coup. Je l'ai inventé il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Oh my god! On est bon les amis, on a réussi. On est vraiment trop fort. Il y a un moment là... Non, on a vraiment de la chance. Je sais pas si les coups critiques y étaient pour quelque chose ou si on les aurait mis KO quoi qu'il arrive. Mais ils étaient pas de trop. Ils étaient pas de trop, ils étaient là pour me rassurer et j'étais vraiment content d'être à côté d'eux. Y'a pas Éclatroc dans cette génération, tiens. Fais le focus. 12 focus, merci. Étonnant quoi. Bon bah écoutez les amis, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu parce que là on a eu 2 badges les amis et c'est pas rien. La prochaine fois, eh bien écoutez, route victoire, puis Ligue Pokémon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On perdra probablement la Ligue Pokémon, mais au moins on aura eu le mérite d'aller jusqu'à la Ligue Pokémon. Allez! Il reste la route victoire. Attention, ne nous avançons pas trop. Allez, en attendant, n'oubliez pas à rester comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde.